un pivot de l'histoire. Un de ces moments où les décisions d'aujourd'hui vont dessiner la route de demain. Laissez-moi vous dire quelques mots. Je suis revenu d'Israël il y a quelques heures. J'ai été le premier président américain à faire le voyage en temps de guerre. J'ai rencontré des membres du cabinet israélien et j'ai partagé mes sentiments par rapport à ces actes terribles perpétrés par le Hamas. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées, y compris des citoyens américains, des gens innocents, des Israéliens, des Américains qui ont été pris pour otages. Et j'ai dit aux familles des otages du Hamas que nous faisions tout en notre pouvoir pour ramener ces êtres chers à la maison. Et il n'y a pas de priorité plus importante que la sécurité de ces otages américains. Le Hamas fait partie des mouvements les plus diaboliques au monde. Et le peuple juif sait très bien qu'il faut se battre. Et en Israël, j'ai vu des gens forts, résilients, déterminés et aussi en colère, choqués et très peinés. J'ai aussi parlé avec le président Abbas de l'autorité palestinienne et j'ai dit que les États-Unis étaient engagés pour le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à la sécurité. J'ai le cœur brisé, comme bien des gens, lorsque je vois ces vies palestiniennes qui ont été fauchées, et notamment l'attaque de l'hôpital de Gaza qui n'a pas été faite par les Israéliens. On ne peut pas ignorer ce qui se passe en Palestine. Les Palestiniens ont droit à la dignité. La guerre est brutale. Et on voit également ce qui se passe en Ukraine. La guerre fait des victimes, et on le voit très bien. Il y a ces corps qui ont été retrouvés en Ukraine, torturés, des meurtres de masse, des milliers d'enfants ukrainiens qui ont été kidnappés de leurs parents et amenés en Russie. C'est complètement fou. Le Hamas et la Russie représentent des menaces différentes, mais ils ont point en commun. Ils veulent annihiler la démocratie. Le Hamas veut détruire l'État d'Israël et veut la mort du peuple juif. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. Ils utilisent les civils palestiniens comme boucliers humains. Et les Palestiniens souffrent en raison de cela. Pendant ce temps, Vladimir Poutine nie la volonté des Ukrainiens de se diriger eux-mêmes. Et les États-Unis ne vont pas se retirer, ils vont agir. Nous retirons pas, et je sais que ce conflit-là va continuer. Et pourquoi c'est important pour nous? Eh bien, on doit s'assurer du succès des Ukrainiens, parce que cela est essentiel pour notre sécurité nationale. L'histoire nous a démontré que si les terroristes ne paient pas le prix de la terreur, lorsque les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, cela crée plus de chaos et plus de destruction. Et les coûts pour le monde entier continuent d'augmenter. Si nous ne stoppons pas l'appétit de Poutine pour la guerre, il ne veut pas se limiter à l'Ukraine. Il a déjà menacé de rappeler à la Pologne que leur territoire était un cadeau de la Russie. Les mêmes menaces ont été les mêmes pour la Lituanie. Ce sont nos alliés. Depuis 75 ans, nous travaillons à garder la paix en Europe. Et si Poutine attaque nos alliés de l'OTAN, nous allons être solidaires de ses alliés et nous allons répondre. Et ce n'est pas quelque chose que nous recherchons. Nous ne voulons pas des troupes
américain en sol russe ou encore combattre les forces russes. Mais nos alliés regardent ce qui se passe, regardent également notre réponse en Ukraine. Et si on sauve et on quitte les lieux, on donnera raison aux agresseurs. Le risque de conflit et de chaos pourrait se répandre ailleurs dans le monde, dans la zone Indo-Pacifique, au Moyen-Orient. Et spécialement au Moyen-Orient. Voyons ce qui se passe en Iran. L'Iran soutient le Hamas, soutient les velléités russes en Ukraine. Et il faut continuer de rendre ces gens-là responsables. Nous avons des partenaires, nous les Américains, à travers la région sur lesquels nous comptons. Nous voulons un Moyen-Orient stable, plus connecté à ses voisins et avec des projets innovants. Nous voulons des marchés plus prévisibles, plus de travailleurs, moins de chômage, moins de guerre. Cela va profiter aux gens du Moyen-Orient et cela va profiter à nous, les Américains. Le leadership américain est ce qui fait en sorte que le monde se tient. Et les valeurs américaines font en sorte que nous sommes partenaires des nations qui veulent bien les partager, ces valeurs. Si nous tournons le dos à l'Ukraine, tournons le dos à Israël, cela n'en vaudra pas le coup. Nous allons utiliser le financement américain pour soutenir nos partenaires critiques, comme l'Ukraine, comme Israël. C'est clair que c'est un investissement qui va payer pour la sécurité au cours des prochaines décennies des États-Unis d'Amérique. Nous voulons un monde plus sécuritaire, plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. En Israël, on doit s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut pour protéger leur peuple aujourd'hui et pour toujours. J'ai demandé au Congrès aujourd'hui de s'engager à la sécurité d'Israël et permettre à Israël d'avoir un dispositif militaire qui puisse l'aider à répondre à la situation. Il faut que le bouclier antimissile israélien ait les moyens de stopper les roquettes. Il faut qu'Israël soit plus forte que jamais et éviter que le conflit ne prenne de l'expansion. Le premier ministre Netanyahou et moi avons discuté des opérations sur le terrain, la protection des gens de Gaza qui ont également besoin de nourriture, d'eau, de médicaments. Hier, j'ai eu des discussions avec les leaders égyptiens et israéliens et j'ai réussi à sceller un accord qui permettrait aux Nations Unies d'acheminer des biens de première nécessité à Gaza. À travers cette marchandise, on va ouvrir un passage humanitaire pour les Palestiniens. Comme je l'ai mentionné en Israël, c'est difficile, mais on ne peut pas abandonner l'objectif de paix. On ne peut pas laisser tomber la solution à deux États. Les Israéliens et les Palestiniens ont droit de vivre dans la dignité, dans la paix et dans la sécurité. On doit être honnête envers nous. Au cours des dernières années, il y a eu trop de haine qui a été un carburant pour le racisme. Et cela s'est intensifié avec les événements récents. Il y a eu des attaques qui nous ont brisé le cœur. Le 7 octobre dernier, ces attaques qui ont eu lieu en sol israélien ont remué bien des choses dans nos cœurs. Aujourd'hui, il y a des familles américaines, des familles juives qui ont peur lorsqu'elles se rendent à l'école porter leurs enfants ou encore lorsqu'elles vont à la synagogue. Et je sais qu'il y a aussi plusieurs communautés musulmanes en sol américain, des communautés palestiniennes également, qui ont le cœur brisé et qui se disent, nous voilà encore une fois dans la même situation avec de l'islamophobie et de la détresse. La semaine dernière, une mère de famille a été poignardée. Un petit garçon, ici aux États-Unis, qui avait 6 ans, a été assassiné dans sa maison à Chicago. Son nom était Wadia. Wadia, un fier Américain, un fier Américain palestinien. On ne peut pas rester silencieux face à ces actes. Nous devons dénoncer l'antisémitisme. Nous devons également sans équivoque dénoncer l'islamophobie.
À vous tous qui m'écoutez, qui me regardez, je veux vous dire que vous appartenez aux États-Unis d'Amérique. Peu importe votre horizon, vous êtes tous des Américains. Et dans des moments comme ceux que nous vivons, lorsqu'il y a de la peur, lorsque la colère est en ascension, nous devons travailler fort pour chérir les valeurs que nous partageons. Nous sommes une nation de liberté de religion, de liberté d'expression, et nous avons droit de ne pas être d'accord les uns et les autres. Nous avons droit d'être en sécurité dans nos communautés. On doit dénoncer la violence. Lorsque j'étais en Israël hier, j'ai dit que lorsque les Américains avaient vécu le 11 septembre et l'horreur, nous avions fait des erreurs. Et j'ai dit au gouvernement israélien, ne soyez pas aveuglés par la rage. Et ici, aux États-Unis, n'oublions pas qui nous sommes. Nous devons rejeter toutes les formes de haine, que ce soit à l'égard des musulmans, à l'égard de n'importe qui. C'est ce que les nations, les belles nations font, et nous sommes une belle nation. Concernant l'Ukraine, je demande au Congrès d'avoir les moyens d'envoyer des munitions et des armes sans interruption pour permettre au pays de se défendre et de stopper la brutalité de Vladimir Poutine. Lorsque Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, il pensait qu'il pourrait prendre les clés en l'espace de quelques jours. Et plus d'un an plus tard, Vladimir Poutine fait face à un constat d'échec. Il est toujours dans l'échec et il n'arrive pas à battre les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont repris du terrain. Ils ont repoussé l'assaillant russe. Et il y a plus de 50 pays qui forment une coalition, qui sont solidaires face à Kiev. Que se passe-t-il si nous nous retirons? C'est une nation essentielle, les Ukrainiens. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine s'est tourné vers la Corée du Nord, vers l'Iran, pour élaborer sa stratégie et terroriser les Ukrainiens. Depuis le début, j'ai dit que je n'enverrai pas de troupes américaines en Ukraine. Et tout ce que demande l'Ukraine, c'est de l'aide pour sa capacité militaire, pour ses munitions, pour repousser les assaillants russes de son territoire. Et ils ont besoin de cette aide. Et je veux être très clair à propos de cela. Nous avons envoyé de l'équipement à l'Ukraine. Et lorsque nous utilisons les budgets débloqués par le Congrès, nous ravitaillons nos propres stocks militaires, des stocks qui permettent de défendre les Américains. Le missile Patriot, par exemple, qui est fabriqué en Arizona, il y a 12 États qui y participent à sa confection. La Pennsylvanie, l'Ohio, par exemple. Comme durant la Deuxième Guerre mondiale, les patriotes américains fabriquent l'arsenal de la démocratie qui nous permet d'aspirer à la liberté. Laissez-moi terminer avec ceci. Un peu plus tôt cette année, je suis monté à bord d'Air Force One pour une visite secrète en Pologne. Ensuite, j'ai pris un train secret, une route de 10 heures vers la ville de Kiev, en Ukraine, pour exprimer ma solidarité dans leur combat contre Vladimir Poutine. Et ensuite, je leur ai dit que j'étais le premier Américain qui n'était pas protégé par l'armée américaine durant un déplacement en temps de guerre. Hier, en Israël, j'avais quelques membres de ma sécurité. Lorsque je suis allé rencontrer, je reviens à cela, M. Zelensky, je ne me sentais pas seul. J'amenais avec moi l'idée de l'Amérique, les promesses de l'Amérique à des gens qui travaillent pour les mêmes choses que nous avons combattues il y a 200 ans, l'indépendance, l'autodétermination, la liberté. Et lorsque je marchais à Kiev avec le président Zelensky, il y avait ce silence qui nous entourait et il y avait quelque chose de très important qui résonnait dans ma tête. Les États-Unis sont essentiels pour le monde encore aujourd'hui. Comme Madeleine Albright disait, nous sommes une nation indispensable. Il y a des gens partout à travers le monde qui ont de l'espoir grâce à nous, qui ont l'espoir d'avoir une meilleure vie grâce à nous, qui ne veulent pas être oubliés par les Américains et qui nous attendent.
Et le temps presse. Je sais que nous avons des divisions ici même au sein de notre pays. On doit dépasser ces divisions politiques, prendre nos responsabilités en tant que nation responsable. On ne peut pas laisser des terroristes comme ceux du Hamas, comme Vladimir Poutine, gagner. Je refuse de laisser cela se produire. On doit se rappeler de qui on est. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Et il n'y a rien, rien qui puisse entamer notre capacité à agir ensemble. Mes chers Américains, merci de votre temps. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège nos troupes.